les amis, bien ou bien, on se retrouve pour une deuxième, tout de suite là, pour une deuxième petite vidéo sur les délices, les liquides délices. J'ai shooté il n'y a pas si longtemps que ça une première vidéo, là on shoot la deuxième. On va parler de deux juices, donc ce sont les derniers juices que Délices a sorti. On va se parler là aujourd'hui du Power Drink et du Le Sultan. Voilà, on va commencer tout de suite par Le Sultan. Voilà, petite charte graphique sympathique, sympa. Je vais tout de suite me caler sur le site et je vais aller chercher donc Le Sultan. Voilà, donc on est... Je me suis donc collé sur Le Sultan. Le Sultan, c'est donc un tabac, un petit goût tabac, tabac blond et miel d'Orient. Ça laisse un petit peu présager du truc. Donc la composition, on est en PG 65% et 30% VG. Le reste, bien évidemment, en arôme, hein, vous l'aurez bien compris. Sur le site, ils nous disent qu'il y a une note de miel. Tenue en bouche, forte, force 4-5, hit 4-5, vapeur 5-5. La vapeur, sur un 65 PG, faut pas s'attendre non plus à avoir des trucs de fou. Alors, sécurité enfant, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Le Sultan de chez Délices. Au premier abord, comme ça, pas grand chose. Donc, je mets ça toujours sur mon petit dripper. 1.6 ohm, entre 13 et 14 watts. Ça dépend de mes humeurs. Je vais vous dire ça tout de suite, à combien il est calé. Tac. On est à 13 watts. On est à 13 watts. On est bien sur un tabac, je vais monter sur du 14 watts, voilà. C'est fort en miel. Pour être clair, celui qui n'aime pas le miel, il n'aimera pas le Sultan. Bonne vapeur, un hit correct pour du 6 mg, hein, je suis toujours en 6 mg. Vapeur, ouais, vapeur onctueuse. Un tabac léger, mais vraiment très léger. Tabac léger, tabac blond, quoi, ni plus ni moins. Avec une, pour ma part, ça n'engage que moi, une forte touche de miel. Pour vaper le Sultan, il faut aimer le miel. Si vous aimez le miel et que vous voulez un petit tabac, je pense que ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Le Sultan, donc un tabac avec une touche de miel assez prononcée quand même. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le Sultan. Bien, alors on continue. On continue avec le deuxième petit liquide de cette revue. Le Power Drink de chez Délices. Vous n'avez pas vu grand chose, hein. C'est pas grave, il y aura la bouteille. Je ne sais plus quel côté je vais la mettre. Enfin, on verra bien. Le Power Drink, c'est quoi On se doute un petit peu avec le nom. Description du site. C'est dingue tellement ce e-liquide vous booste.
appuyer sur le bouton pour passer à la vitesse supérieure. À mon avis, on est très clairement sur quelque chose d'un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu boisson énergisante. Enfin, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. On va tout de suite voir. On va tout de suite voir. Alors, la composition, touc, touc, touc. On est en 70 PG, 22 glycérine végétale. Voilà, hein, plus fort en PG. Jusqu'ici, la gamme a été plus fort en PG. Donc, il n'y a pas de raison que ça change sur ces 6 petits liquides, les derniers nés de chez Délice. Donc, le Power Drink. C'est ça un peu, hein. Ouais. Hein. On est ça, on est sur, je dirais moi, boisson énergisante. Ouais, boisson énergisante. C'est ça. On est là-dessus. Hein. En plus, c'est marqué sur le descriptif du site, j'avais même pas vu. Et mais quel bourricot je suis. C'est marqué saveur, boisson énergisante. Faut le faire. Ah, bref, rien qu'au nom, on savait sur quoi on tombait, hein. Je ne suis pas étonné, c'est bon, on est bien sur la boisson énergisante, c'est pas trop sucré, ça prend pas trop la bouche, d'ailleurs aucun de ces liquides pour l'instant englobe la bouche trop, par du trop sucré ou du trop autre chose. Là, on est, c'est bien équilibré. C'est bien équilibré. Alors, on va pas passer plus longtemps sur le Power Drink. C'est clairement la boisson énergisante qui va vous mettre le peps. Voilà cette petite vidéo. Ces deux petits liquides donc de chez Délice. M'en reste deux à tester, on va faire la vidéo très bientôt, là, dans la foulée. Hein, mais ils sont très bien, là, j'en ai goûté 4 sur les derniers liquides, là, sur les 6 de leurs derniers liquides. J'en jetterai aucun. J'attends de faire les 6 pour vous dire lequel je préfère, hein, et lequel me plaît le moins. Pour l'instant, je dirais le Sultan. Pour ce côté miel un petit peu trop prononcé à mon goût. Voilà, mais c'est que mon goût, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures de la vape. On n'oublie pas toujours les duces. Et puis à bientôt. Allez, bye bye.